faut lire encore là, son témoignage. Alléluia. Amen. Mais c'est elle qui est là, toi tu traduis. Voilà. Oui, oui, la main douleur, notre douleur. À fond, comme ça, elle va avec toi, comme ça. Vous m'avez qu'à faire. Alléluia. Tu lui as dit qu'elle avait des mouches
dans la tête et que vous allez la guérir. Ouais. En fait, c'était juste pour la rendre un peu folle. Et pourtant, c'est pas une personne qui est méchante. Donc, elle a accepté de venir parce qu'elle a vu la vérité. Et quand elle est venue il y a deux semaines, elle ne mangeait pas, elle ne dormait pas, elle ne faisait rien. Donc, on est là tous les jours quand on se retrouve, elle est là. Même le téléphone, parce que c'est par le téléphone. Ils ont eu, oui, la tête était par le téléphone. Elle a pris le coup de fil d'une personne, quand elle a rapproché, c'était fini pour elle. Donc elle ne pouvait plus parler au téléphone, même quand ça sonne, quand on est en train de parler, que le téléphone sonne, elle se lève. Elle ne pouvait plus se porter. Et quand on est venu ici, aujourd'hui, ça fait deux semaines, elle me dit, est-ce que tu sais que c'est bon? Je dis, ben, les amis, vous avez témoigné pour remercier mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Quel est le changement qui s'est produit dans sa vie? Bon, oui, quand vous l'avez senti, la vie là, ce changement là, vous l'avez dit là, et pour vous, vous l'avez toujours dit, a changé là. La manière que c'était avant, maintenant elle arrive à dormir. Avant elle ne dormait pas. Là, elle ne dormait pas. Et elle n'a pas encore d'autres encore? Elle avait des problèmes au niveau de sa poitrine. C'est parti. Donc, elle arrive à manger? Oui. Elle ne mangeait pas avant? Oui, elle ne mangeait pas du tout avant. Maintenant, elle dort bien. Elle dort bien maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour